Quelqu'un d'Ishgard est venu pour te voir. Vous vous connaissez déjà, n'est-ce pas? En effet. J'aurais aussi aimé parler au commandant le Veilleur, mais le temps presse malheureusement. Messire Emeric désire obtenir de l'aide pour une affaire de la plus haute importance. Étant donné la façon dont vous avez su vaincre Shiva, vous me paraissez être la plus apte pour cette mission. Tu comprends pourquoi j'ai demandé à Tataru de t'appeler. Vous voulez bien nous en dire un peu plus sur cette affaire urgente, s'il vous plaît? Les astrologues de l'Observatoire ont alerté le Saint-Siège en toute urgence. La nuit dernière, l'étoile du dragon brillait d'une intensité qui n'a pas été constatée depuis 15 ans, selon eux. Cet astre du ciel septentrional est réputé annoncer les mauvais présages. La dernière fois que ce phénomène a été aperçu, c'était lorsque les Dravaniens se sont lancés dans la bataille contre Garlemald, à Pleur Argent. Quand le ciel s'illuminera à l'appel du Seigneur des Dragons, le monstre de fer rouge apparaîtra et le monde connaîtra l'enfer des flammes. Une ancienne fable que se transmettaient ceux qui vivaient autrefois dans l'ouest du Coertas. Je suis étonné que vous la connaissiez. La croyance veut que cette étoile réagisse au rugissement des plus grands dragons, et nous craignons que Midgard's Orm ne soit à l'origine du changement observé la nuit dernière. Après des siècles d'absence, ce seigneur parmi les seigneurs était revenu pour guider son peuple contre l'Empire. Mais il est tombé lors de son affrontement avec Lagrias, le gigantesque aéronef des Garlemaldais. Désormais, seule demeure sa carcasse sans vie, enserrée autour de la monstrueuse épave Magitech. En effet, malgré les appréhensions d'Ishgard, Midgard's Orm n'a pas montré le moindre signe de vie ces 15 dernières années. Tataru, les Domiens ont-ils signalé quoi que ce soit d'anormal récemment? Si cet ancien dragon a vraiment rugi, pourquoi on ne l'a pas entendu au-delà des revenants? Le terme de rugissement est à vrai dire un abus de langage. La manière de communiquer des Dravaniens dépasse notre perception et notre entendement. Pour cette raison, il nous est difficile d'affirmer qu'il y a eu un tel appel, et encore moins qu'il provient de Midgard's Orm. Le seul moyen d'être sûr, c'est d'aller enquêter aux gardiens du lac. Cependant, obtenir l'autorisation de l'archevêque pour envoyer les Templiers hors d'Ishgard prendrait beaucoup trop de temps. Pour cette raison, et eu égard à vos compétences, Messire Emeric aimerait vous confier cette tâche. Acceptez-vous de nous aider? Nous savions que nous pouvions compter sur vous. Bien. Veuillez m'excuser, mais je dois retourner au plus vite à Ishgard et assister le capitaine général dans nos préparations. Vos préparations? Lorsqu'un grand dragon rugit, ses semblables doivent répondre à l'appel. Si les Dravaniens se mettent en marche, alors nous devons être prêts à les combattre.